الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. Aujourd'hui c'est assise pour la da'wah, pour la prédication, pour l'appel vers Allah. Et l'appel vers Allah Azzawajal a des piliers. Il y a des piliers de l'appel vers Allah Azzawajal. Tant qu'il n'y a pas ces piliers, la chose n'existe pas. Tant qu'il n'y a pas ces piliers, la chose n'existe pas. Parmi les piliers de cette assise, il y a celui qui doit nous entretenir dans l'assise. C'est le premier pilier de l'assise. S'il n'y a pas cette personne-là, ce pilier-là, il n'y a pas l'assise. Et la personne qui va nous entretenir, Inch'Allah, c'est Cheikh Salah. Ça, c'est le premier pilier de notre assise. Deuxième pilier, sur quoi il va nous entretenir? Et le sujet le plus lié chez vous, Wasaya Muhimma, les Shabab al-Umma. Les recommandations très très importantes aux jeunes de la communauté et la communauté musulmane se tenir sur le pilier Wahakir. Ça, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, c'est vous-même. C'est vous-même. Et ce sujet, Cheikh Salah ne peut pas venir s'asseoir pour discuter ça devant les oiseaux et les animaux. Ou discuter ça devant les tapis. Abadan. Il a besoin des gens pour discuter ce sujet devant Dieu. Il est beaucoup d'un pilier parmi les piliers de la Dama. Elle m'adore. Quatrième pilier, qui est la dernière, c'est la science. Ce sujet ne peut pas être là. On prend quelqu'un, on le met devant nous. On dit le sujet c'est Wasaya al-Amma, Wasaya al-Muhimma, al-Shababi, al-Umma. On choisit une personne parmi nous, on dit Yalla. Voilà le sujet. Te voici, voici le sujet. Ça c'est les gens, pas. Ça ne peut pas parler, il ne peut pas parler, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il y a quelque chose, il y a notre quatrième pilier qui est la science. Et pour discuter dans ce sujet, il faut que quelqu'un ait la connaissance. Ça, c'est le quatrième pilier de la dawa. Et bien, la dawa a quatre piliers. Il y a celui qui fait cette dawa, c'est un pilier. Il faut que celui-là ait la science. Deuxième pilier, il faut qu'il parle dans un sujet. Troisième pilier, il faut qu'il s'adresse aux gens. Il parle aux gens et aux humains, aux djinns. Là, ce n'est pas seulement vous qui écoutez ce qui s'est raté d'aujourd'hui. Les djinns sont là, ils assistent avec nous. Et les humains sont là, les anges sont là, tous ces gens-là, ils assistent avec nous. Ils ne seraient pas seulement les humains. Ça, c'est le Maghreb. Ça, c'est le premier Mokaddima. Deuxième Mokaddima, ces gens d'assises, mes chers amis, parmi les grands assises, que toute personne qui appelle vers Allah ou Azzawajal, et bien cette da'wa Mubaraka, la da'wa du Salafia, doit être content de ces gens d'assises. Doit être mon cher au sabre. Ben, doit prier, demander à Allah de multiplier ces gens d'assises. Parce qu'il y a en ça beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement qu'Allah dit, le prophète a dit, seulement les yeux qui se voient, les connaissances qui se font entre les gens, peut-être qu'il sera une fois par an ou par mois, ça c'est déjà la science. Ben, seulement voir le cher, c'est la science. Voir seulement le cher. Tu as entendu parler de lui, tu ne l'as jamais vu. Quand il venait des vivants au-dessus du bois, ça c'est déjà la science. Et non, aimer les gens du bien, c'est le bien. Les gens du bien, les aimer, c'est le bien. Y a-t-il des gens du bien plus que les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y en a pas. Parmi les meilleurs gens du bien sur la terre, c'est les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui ont hérité al-kitab wa sunnah, la fin des salafs salih. Pas les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont les prédicateurs. Qui sont les gens qui ont les meilleures paroles, comme Allah Azzawajal a dit, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَ إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله. La meilleure personne sur la terre, celui qui appelle vers Allah Azzawajal, celui qui a la meilleure parole, et celui qui est le pilier de la société où les gens vivent, tout ça pour que tu vois, où tu comprends l'importance de cette assise. Et aussi ce sujet moulaïki, ce sujet correspond, ben, ça convient à notre époque que nous vivons dans la sunna, au bon nombre des partisans de la communauté sunnite aujourd'hui sont des jeunes. Ça veut dire ces jeunes-là sont traités capitales pour nous. Ben, la plus grande marge de temps que tu passes sur la terre, c'est Waqt al-Shabab. L'être humain a le temps, a trois temps sur la terre. L'être humain a combien de temps sur la terre? Trois temps. إلى ثلاث مراحل. لبني مرحلة سل مرحلة طفولية. لمرحلة إلى أنفان.
garçon qui crie, jeune, il dira les gens dans les quartiers, et ils sont partout dans les quartiers. Ça, là, c'est que ça va dire que c'est de 0 à 14 ans. De 0 à 14 ans, c'est un petit jeune qui monte, il descend dans les quartiers, dérange un peu l'été des jeunes. Il n'est pas en montrée du capital. Maintenant, il va entrer dans le temps de sa jeunesse, qui est le sujet qu'on va discuter aujourd'hui. Il entre dans le temps de sa jeunesse à quel âge? Quand il atteint 14 ans. 15 ans, il monte, il est jeune. Il est ce jeune-là que nous pouvons parler de lui aujourd'hui. Il est ce jeune-là qui est responsable qu'on va parler de lui aujourd'hui pour qu'il comprenne son missala, qu'il a en main et qu'il comprenne son masculia, sa responsabilité vivant dans le Qiyam. Et ça va d'ici type de 14 ans, il va arriver à 40 ans. Ça, c'est l'autre Shabbat. Bien sûr. Maintenant, de 0 à 14 ans, et de 14 ans à 40 ans, lequel est le plus large? Beaucoup de temps, c'est où? C'est l'autre Shabbat. C'est de 14 ans à 40 ans qui est plus vaste, c'est plus large. Ça, c'est le temps de ta jeunesse. C'est le temps que tu ne feras jamais un pas devant la loi Qiyam. Sans qu'on te demande qu'est-ce que tu as fait entre 14 ans à 40 ans. La tazoula qadama abdiyum al-qiyama hadda yusala arba. Wa yudimdil arba an shababihi fima afna. Il dit l'esclave ne fera jamais pas devant la loi Qiyam. Sans qu'on interroge 4 questions. Parmi les 4 questions, ta jeunesse, tu as fait dans quoi? La jeunesse, tu es un grand mathématicien seulement? Un grand maçon? C'est dans tout ça que tu as passé de 14 ans à 40 ans? Tu vas répondre devant Allah Yom Al-Qiyam. Taï, après 40 ans, il reste combien pour mourir? Il nous se trouve, il est 20 ans. Parce que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amar Umati ma bena sitti ou sabari, wa qalil minhum man yujawiz dhalik. Le Prophète dit le temps de ma communauté entra 60-70 ans. Ça veut dire prenons 60 ans. Il est de 40 ans à 60 ans, c'est 20 ans seulement. Au temps de 14 ans à 40 ans, c'est beaucoup. Il reste le temps de la jeunesse qui est plus vaste. Et même sacrifie ce temps de la jeunesse dans la religion d'Allah Azzawajal. Fait que tu sois quelqu'un du cher Willi Ibn Banan, que toi tu sois un jeune demain, du cher Willi Ibn Banan, comme les savants disent, les affaires de l'Eli Yahoulou, qu'un ami, et les affaires de l'Eli Yahoulou, ha ame. Les savants ils disent, ou le poète dit, le jeune là, n'est pas celui qui dit que mon père était un grand maudit. Mon père était un grand malum, mon père était un grand savant, là ce n'est pas un jeune là-bas. Si tu veux nous dire que tu es jeune, dis que tu suis. Et tu suis le pas de la science. Tu es sur le pas de nos pieux précieux. Tu es en train de chercher la science. Cette chaleur-ci là, tu le sens plus de réfraîcheur. Comme Allah dit à Ibrahim, qu'il y a un an ou qu'on y pardonne, wa salam ala Ibrahim. Il y a des gens qui le sentent chaud, mais toi tu le sens plus de réfraîcheur dans le cœur. Pourquoi? Parce que ça c'est le mieux assis de ta vie. Voilà. Wallah, ça c'est le mieux assis de ta vie, ça c'est mieux plus que le machine, ça c'est mieux plus que le bureau et tu es dans les climatiseurs. Il n'y a pas des assises comme ça qui est mieux dans ta vie. Et cette chaleur-là, je ne ressens pas la chaleur. Non, parce que je vis le meilleur moment de ma vie. Et on ne s'amuse pas avec les meilleurs moments de sa vie. Très bien. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.